La plage du Ricante ou à Ajaccio, déserte, à 10h du matin, 25 avril, sous le soleil. L'eau est limpide et la plage propre. Sur le sable, les seules traces visibles sont celles laissées par les oiseaux. Personne sur terre, personne en mer. Les activités nautiques sont toujours interdites. Seul un zodiaque de la gendarmerie, attiré par notre présence, s'approche, puis continue sa tournée des plages de la rive sud. La surveillance opérée par les gendarmes est quotidienne. Ils passent plusieurs fois par jour, à divers moments de la journée. Mais ils le reconnaissent eux-mêmes, les plages ont vraiment été désertées et les verbalisations pour présence illicite en bord de mer ont été très rares ces 6 dernières semaines. Tous les jours, on effectue des patrouilles systématiques sur les plages et les environs et nous constatons aucune personne qui fréquente les plages. Donc pour ma part, il me semble que l'arrêté préfectoral interdisant la population à aller sur les plages et respecté. Agosta Plage, 11h, toujours personne sur le sable, quelques marcheurs sur la promenade, l'occasion de partager des impressions de jamais vu. C'est à la fois magique, parce qu'on n'a pas l'habitude quand même de voir les plages corses comme ça, mais en même temps, ça donne une impression de fin du monde. C'est triste de voir la Corse comme ça, on n'a pas l'habitude, parce que bon, moi je vis ici, donc je me promène régulièrement, et c'est vrai que... Bon, en plus, je vis seule, alors je vais vous dire. Une eau turquoise, le sable blanc, le silence, la plage de Vergue, il y a tout de la carte postale. Mais l'arrêté préfectoral s'applique évidemment aussi aux plages de rêve. Je trouve que c'est dur, je le comprends, mais bon, espérons que dans le déconfinement, avec des règles, on va pouvoir retrouver, parce que cette proximité de l'eau qu'on a et cette chance qu'on a de vivre là, c'est voilà, on a envie de la retrouver. Sur la rive sud, la surveillance se poursuit tranquillement. Deux plages désertées en criques vides. Le littoral, comme on ne le voit jamais en cette fin de mois d'avril.